On doit être le 12. Non, on est le 11. Lundi 11 décembre 2017. Voilà, ouais. C'est né ici, là, sur cette table. On dînait un soir, comme ça, avec Johnny. Et puis, il y a Angeli, qui sont devenus personnages non grata maintenant, mais enfin, on était tous ensemble. Hein. Et puis, Johnny m'a dit, alors quand est-ce que tu me fais tourner? Alors, j'étais étonné par cette question, parce que j'ai dit, mais Johnny, toi, tu fais pas de télé. Enfin, t'en as fait, mais t'en fais plus, quoi, tu vois. Et il me dit, moi, j'aimerais bien un rôle de méchant, mais de vraiment méchant. Alors j'ai dit, bah, écoute, je suis en train de préparer un truc sur une histoire de gangster et tout, et le rôle principal, c'est un très méchant. Il me dit, il est très méchant. Je dis, ouais. Est-ce qu'il tire à la Kalachnikov? Je dis, il fait mieux. Il a un bazooka. Ah, il me dit, c'est pour moi alors. C'est pour moi. Et j'ai dit, bah, je te le fais lire, je te donne le texte, puis tu me diras si tu veux le faire. Puis il m'a dit, ouais, je le fais. Et puis là, je suis arrivé à TF1 en disant, bon ben voilà, le prochain film, je le fais avec Johnny. Et ça a suscité, de la part de Takis Candidis, une réaction féroce. Ouais. En disant, mais s'il y a un supplément, ben, c'est toi qui le paieras. Alors, après ça, si tu veux, j'étais étonné, quoi. J'étais étonné de cette rage, parce que c'était quand même bien que Johnny vienne à la télévision, quoi. C'était quand même un bon coup. Hein. Et puis, j'ai appelé Étienne Moujotte. Puis, c'est Johnny qui m'avait dit, appelle Étienne. Parce que Johnny m'avait dit, je m'en fous, moi, je le fais pour rien. Tu me donnes pas de cachet, je tourne. J'ai dit, non, Johnny, non, ça, c'est pas possible. On va appeler Moujotte. Donc j'ai appelé Étienne. Et puis Johnny m'a dit, écoute, on a rendez-vous dans mon restaurant tel jour à telle heure. Alors moi je tournais, j'ai dit, bon bah je me démerdais à sortir du tournage à ce moment-là, tu vois. Je reviendrai après le déjeuner, quoi. Et puis donc je suis allé au déjeuner et Étienne m'a dit, mais Yves, c'est un honneur pour nous d'avoir Johnny sur TF1. Tu vois, donc t'inquiète pas, on prend tout en charge. S'il veut une caravane de 20 mètres de long, on la prend en charge, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un honneur, on est content qu'il soit là. Et donc, si tu veux, une demi-heure plus tard, je reçois un coup de téléphone de Takis Candidis qui me dit, alors, c'était bon le déjeuner? Je lui dis, oh, oui, c'était très bon. Tu n'es qu'un petit enculé. Ouais, tu n'es qu'un petit enculé. Tu verras ce que je te réserve. Tu verras. Tu vas voir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et puis voilà. Et puis j'ai fait le film. Et puis après j'ai fait le film La Dernière Affaire avec Clément Michu. Et puis après j'ai été éjecté, quoi. Ah oui. Ouais. Question d'ego, hein. Comme c'était moi qui amenais à l'idée, ça le faisait chier, il voulait que ce soit lui. Une amitié, mais qui était une espèce d'amitié en dents de scie. C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré à Rio, lors de mon tournage des Globetrotters. Donc tu vois, ça date, hein, c'était en 60, je crois, 67.